Seigneur nous bénit ce chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. J'ai la vie, il m'a sauvé dans son
bénisse richement. Levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais, pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre ses merveilles. Car sa miséricorde dure à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche des rois des rois.
quand je dois trembler et essayer ouvrager de tes mains. Quand je dois trembler la nature ouvrager de tes mains. Oh, les mots me manquent. Que ton nom soit béni, notre Père. Que ton nom soit exalté, mon Sauveur. C'est avec beaucoup de reconnaissance, mon Sauveur béni, que nos cœurs s'élèvent vers toi pour te glorifier, toi le seul Dieu, le seul digne d'être adoré, Sauveur béni, d'être glorifié, d'être servi, Sauveur. Tu as souffert pour moi, tu as souffert pour ma sœur, tu as vaincu pour mon frère, tu as vaincu pour ma sœur, tu as vaincu pour chacun de nous, Père Dieu. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent encore ce matin, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour te offrir, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. C'est pourquoi l'Écriture déclare que tes œuvres te loueront, ô éternel, notre Seigneur. Nous sommes à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour rendre gloire à ton Saint-Nom, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, à ton bras puissant, mon bien-aimé Seigneur, qui s'est levé, Seigneur, ô Dieu, pour terrasser l'ennemi, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pour emporter la victoire, mon roi, sur la mort et même sur l'enfer, mon roi. Tu es le majestueux, mon roi. Tu t'es élevé seul, mon Seigneur, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Tu as voulu seul auprès de toi. Que ton nom soit béni, mon roi. Tu as sauvé des âmes, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Seigneur, tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Tu as payé toi-même le prix de notre délivrance, mon roi. Le prix de notre rédemption aussi, notre Dieu. Nous te serons fidèles jusqu'à la mort, mon roi. Nous te servirons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, jusqu'à la mort, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que tu sois adoré, Père Dieu. Que dans les cieux, que ton nom soit adoré. Sur la terre, qu'il soit béni, Père Dieu. Sur la terre, qu'il soit célébré, Seigneur. Parce que tu le mérites, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le seul que nous aimons, Père. Merci pour chaque antique, mon roi, qui a été chanté pour ta gloire. Merci aussi pour chaque voix qui s'est élevée pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci aussi pour la joie manifestée encore par ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour ton nom à toi, pour ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour la gloire que tu manifestes encore, Seigneur. Merci pour le pardon, comme nous l'avons entendu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Si toi, tu ne pardonnais pas, bien-aimé Père Saint-Dieu, qui pouvait nous pardonner encore aujourd'hui, bien-aimé Père Tout-Puissant, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui nous ramène, Père Saint-Dieu, c'est toi qui nous soutiens. Merci pour nos enfants, merci pour nos petits-enfants, pour nos frères et sœurs, bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu Seigneur, que tu ramènes, que tu as ramené, que tu soutiens. Merci encore pour la guérison, la force et la santé qui donne encore davantage, mon roi. Tu es l'éternel qui guérit toutes nos maladies, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous le croyons et nous sommes fortifiés, Père Tout-Puissant aussi, par toi, mon Sauveur. À toi la gloire, le nom, la puissance et la victoire. Merci pour ton peuple que tu as gardé. Mon âme te loue et te glorifie parce que tu es vraiment vivant. Tu es le seul et l'unique Dieu qui agit. Tu es incomparable, mon roi. Personne ne peut être comparé à toi, ni t'égaler, mon bien-aimé Père Tout-Puissant Dieu. Ton nom est magnifique, ton nom est merveilleux et ton nom est glorieux, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, à ton autorité, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et que tu prennes tout ce que tu as de nous, Père Tout-Puissant. Donne-nous, Père Tout-Puissant, de pouvoir marcher comme tu le veux, Seigneur. Prends le contrôle dans chaque domaine, Père Tout-Puissant-Dieu, dans chaque partie, Père Tout-Puissant-Dieu, dans chaque lieu, Père Saint-Dieu, où nous nous tenons, bien-aimé Père Tout-Puissant-Dieu, et contrôle chaque chose. Merci encore pour ton peuple. Merci encore pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance que nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur pour lui dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'abondante joie qu'il met dans notre cœur de pouvoir nous
retrouver, célébrer son saint nom pour la victoire qu'il a toujours manifestée dans notre vie. Si le Seigneur n'était pas vivant, nous ne serions pas sur la terre des vivants aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il vit que nous vivons aussi. Et nous le remercions vraiment de la victoire qu'il nous donne et aussi de sa vie qui se manifeste aussi dans chacun de nous. Nous sommes à lui, nous lui appartenons et nous voulons qu'il ait vraiment la prééminence, c'est-à-dire la domination dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie, qu'il soit vraiment le chef, le maître effectivement, celui qui décide pour nous et celui qui nous dit ce qui doit être fait et celui auquel aussi nous sommes soumis tous ensemble et l'obéissance aussi nous revient. Nous voulons lui être obéissants tous les jours de notre vie et surtout aussi être attentifs effectivement à ce que lui, il nous dit dans chaque pas que nous mettons, faisons dans notre marche effectivement, dans chaque lieu où nous allons, puisse-t-il aussi conduire aussi nos pas, en fait que nous ne dirigeons pas nos pas comme nous le voulons. Dans toutes les décisions que nous voulons prendre, nous le supplions qu'il puisse nous aider à ce que simplement sa volonté puisse s'accomplir dans notre vie. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous. Et je vous remercie aussi, du fin fond de mon cœur, pour toutes les prières que vous avez élevées, effectivement, aussi à mon endroit, sur son trône. Ces prières ont été vraiment pour moi bénéfiques. Merci pour chacun de vous qui avez vraiment prié sincèrement pour moi. Si je suis revenu, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et Seigneur, notre Dieu combat pour nous et il nous soutient, effectivement. Chaque fois qu'on se déplace, nous ne savons pas si nous pouvons revenir. Parce que là, au-devant de nous, comme nous partons, les combats aussi, l'ennemi se déchaîne de plus en plus. Parce que son désir, c'est que les âmes soient toujours emprisonnées. Quand les âmes sont emprisonnées, alors il a son empire et son royaume. Il agit comme il veut. Mais quand maintenant le Seigneur vient pour délivrer les âmes, alors là, il ne peut pas laisser de créatures. Il déploie toutes ses armes, effectivement, pour complètement détruire. J'ai vu les démons se dresser devant moi, frères et sœurs. Et je disais cela à mon frère Jonas qui était venu tout à l'heure dans mon bureau. Vous ne pouvez pas réaliser ce que j'ai vécu. Oui, mais je remercie le Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il est vraiment vivant et qu'il a vraiment remporté la victoire. Oui, il a vraiment délivré, mais d'une puissance extraordinaire pour ramener vraiment à lui tout ce qui lui appartient. Le peuple restait dans la paix, surtout le prédicateur, parce que j'étais parti pour pouvoir avoir réunion avec des prédicateurs. Et je suis resté avec eux pendant plus ou moins 4 à 5 jours. Et tous les jours. Et le Seigneur, notre Dieu, est vraiment un Dieu merveilleux. Quand il aime vraiment. Oui, c'est vrai. Quand il aime vraiment. Et quand il délivre vraiment. C'est pour ça que le diable s'est vraiment dressé. Je pouvais voir sur le chemin où je partais de Chetumal, de Cancun vers Chetumal, et je regardais devant parce que j'avais déjà le combat déjà la nuit. Premièrement, quand je suis aussi arrivé, j'étais déjà très fatigué parce que j'avais déjà des réunions ici. Vous savez, j'ai quitté ici dimanche après la réunion et je suis parti là-bas. Et puis 28 heures de vol, c'est pas une petite chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et arrivé, vous devez commencer aussi la réunion. Voilà que j'arrive et on m'accueille et puis on m'amène pour aller manger chez le pasteur qui nous a donc organisé là-bas. Là où il avait organisé pour manger, je suis arrivé, me présente à manger. Je n'ai pas posé la question, tout ça. Ah, puis j'ai mangé. Et quand je suis arrivé donc à l'hôtel, ça n'allait plus.
Mon cœur s'emballait, mon corps tremblait. J'étais dans un état où j'avais mal partout, les frissons, je ne respirais pas bien, je n'arrivais pas à pouvoir dormir comme il le fallait. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai comme l'impression que je vais partir. Mais là, je me dis, mais c'est pas normal quand même que je puisse arriver comme ça, bien que je sois fatigué, mais je ne respire pas bien, le cœur palpite bizarrement et tout ça, et le corps est en train de pouvoir... Je me sens affaibli de plus en plus. Je ne dormais pas la nuit. Et, vous savez, ces symptômes, je dis, mais c'est quand même bizarre. Ça m'arrive comme ça quand je mange la viande de porc. Je sais que j'ai toujours dit ça, mais les gens ont toujours tendance à douter, croyant que j'ai dit ça pour des... Même des autres ont essayé de pouvoir mélanger une viande avec la viande de porc pour voir ce que je vais avoir comme... Oui, bien sûr, je suis au courant de ce qui s'est passé. Je suis au courant. C'est pas par comédie que j'ai dit ça, mais il s'agit de la santé. Quand je mange la viande des porcs, mon corps ne tient plus, en fait. Le cœur et tout, palpitations, ainsi de suite. Donc, vous pouvez m'offrir tout, mais s'il vous plaît, la viande des porcs ne me donnez pas. Alors, je pose la question aux frères. J'ai dit, mes frères, c'est bizarre quand même. J'ai dit, je ne me sens pas tellement très bien. On dirait que je ne tiens pas debout. Et puis, mon cœur palpite trop. J'ai dit, mais est-ce que vous ne m'auriez pas donné la viande des porcs? Et là, le frère dit, non, on n'a pas pu vous donner la viande de porc, effectivement. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même. Je sens que mon organisme ne répond pas tellement très bien. J'ai dit, chaque fois que je mange une viande de porc, j'ai une réaction comme ça. C'est parce que mon corps est trop saturé. Il dit, non, ma femme n'a pas fait. J'ai dit, bon, demande tout de même. Il est allé demander à sa femme. Il dit, mais est-ce que quand le frère est venu ici, vous lui avez donné la viande de porc? La femme dit, oui, j'avais mis la viande des porcs dans sa nourriture. Allez, les frères, pardonnons, on ne savait pas. J'ai dit, mais le frère de San Andrés de Veracruz, ils savent. Et je pensais qu'ils avaient eu à pouvoir faire comprendre aux frères que je ne supporte pas la viande de porc. Mais ils m'avaient mis, effectivement, je mangeais sans me rendre compte. Et c'est comme cela que... Et je suis resté pendant des jours dans un état très difficile. Mais j'ai tenu quand même des réunions avec des prédicateurs. Le Seigneur a permis vraiment que les enseignements que les gens ont reçus, c'est des enseignements tellement erronés. Et surtout avec des citations, Frère Branham a dit, ils se mélangent eux-mêmes des citations, ainsi de suite, et ça produit une confusion davantage. Et ils avaient beaucoup de confusion. Ce que Dieu a permis, c'est que je suis donc, j'étais donc assis, donc j'étais assis comme ça, j'étais là, et chacun d'eux passait donc devant pour pouvoir, sur une question, un point, effectivement, et chacun devait dire, effectivement, la manière dont il croit qu'il enseigne effectivement ce qu'il avait reçu. Tout un chacun pouvait passer, chaque pasteur parlait effectivement aussi. Et je suis passé maintenant pour pouvoir leur démontrer effectivement, Bible à l'appui, combien les enseignements qu'ils ont reçus et tous ceux qu'ils avaient effectivement étaient complètement erronés. Tout le point de la Bible. Et ce qui était extraordinaire, c'est là que j'ai dit, Seigneur, le Seigneur nous aime beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans un détail parce que nous allons prendre les Saintes Écritures, juste courir un instant. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous, ils m'ont regardé, ils ont dit, parce que chaque fois qu'ils posaient une question biblique, même dans les sens difficiles, il y avait toujours une réponse biblique. Quand leur façon de pouvoir voir les choses était quand même tordue, et ainsi de suite, les Saintes Écritures amenaient chaque chose à sa place ainsi. Alors ils m'ont regardé, ils ont crié, ils ont dit, mais toi tu es un docteur. J'ai dit, non, je ne suis pas un docteur, je suis un apôtre. Il dit, non, je ne suis pas un docteur. Non, j'ai dit, je ne suis pas un docteur. Et j'ai dit, le ministère apostolique, c'est pour mettre de l'ordre, en fait, dans les choses de Dieu, dans l'Église, effectivement, aussi. C'est ce que vous êtes en train de pouvoir vivre. Et ils sont partis, effectivement, complètement changés. Surtout ceux qui venaient avec citation.
Parce que chacun me dit, voilà, c'est avec cette si on comprend. Le frère Banama dit citation sur citation, l'autre une citation, citation. Puis après, j'ai dit, bon, écoutez, après, ils ont tout. Enfin, si je suis passé, j'ai dit, bon. Parce qu'ils avaient une question qu'ils posaient qui était aussi importante. Ils disaient, mais Jésus est-il fils de Dieu? Parce que quand on le voit, non, est-il fils de Dieu? Est-il Dieu vraiment? Parce que quand on le voit, il prie Dieu lui-même. Et puis il parle de son Père. Alors, on n'arrive pas à pouvoir bien comprendre ici, effectivement, bien qu'il croyait quand même au message. Donc. Mais la divinité était problématique. Voyez-vous, il y a des gens qui vous prêchent, qui vous démontrent qu'ils croient, effectivement, ils croient, mais il y a quand même un problème. Alors, ils avaient... C'était un flou, en fait. Alors, ils prennent les citations, Frère Banamaï à pouvoir dire ceci, non. J'écoutais, mais ils étaient toujours dans une confusion. Parce qu'en certain moment, Jésus, il dit qu'il est le Fils de l'homme. Et puis, bon, qu'en est-il, effectivement? Parce que il faut qu'on sache, effectivement, où c'en est. Est-ce qu'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant? On sait qu'il est Dieu Tout-Puissant, mais ici, quand il prie les dieux, Dieu prie les dieux, ainsi de suite. Confusion sur confusion. Alors, je leur ai dit une chose. J'ai dit, voilà. Le problème, c'est que vous avez pris des citations pour pouvoir chacun faire ses citations et puis vous vous contredisez un tout petit peu. J'ai dit, c'est normal. C'est normal parce que quand vous prenez une citation, vous prenez une autre, effectivement, vous pensez quoi? Qu'effectivement, vous avez reçu la réponse. Mais ça donne la confusion. Pourquoi? Parce que la personne qui a prêché, en fait, dont vous tirez une citation, quand il a prêché, en fait, dans un angle... un sujet bien précis. Donc, quand il cite, en fait, un mot dans ces sujets-là, qu'il a eu à pouvoir prêcher, c'est pas la même chose quand il cite ce même mot dans une autre prédication. Donc, vous faites sortir des choses dans leur contexte et vous mélangez. Alors, parce que quand vous avez parlé de Jésus, vous allez taper simplement, comme il y a la table, comment dire, taper Jésus pour voir ce que Frère Banama a prêché sur Jésus. Mais vous avez trouvé que c'était une confusion vous-même. Et puis je leur donne un exemple, j'ai dit, mais écoutez, pour que vous puissiez comprendre, j'ai dit, bon maintenant, j'ai dit ça aussi à mon frère Jonas tantôt. Vous êtes des prédicateurs. On vous fait sortir ici, on vous amène effectivement au milieu des catholiques et des protestants, tout cela qui sont rassemblés, ils vous posent la question. Jésus est-il vraiment Dieu? Et vous allez faire sortir des citations. Hop. Frère Banham a dit, Frère Banham a dit, les prophètes a dit, le prophète a dit. Moi, je dis, bon, vous faites sortir les prophètes a dit parmi les catholiques, les protestants, tout ça. Ils connaissent ni les prophètes, ils connaissent ni William Branham. Comment allez-vous convaincre ces gens-là avec des citations? Ils m'ont regardé comme ça. Je dis, voilà pourquoi. Ces gens-là, ils ne connaissent que la Bible. Alors prenez la Bible, prouvez-leur par la Bible que Jésus est Dieu. Et quand il vous pose la question, lorsqu'il prie, là, il prie, oh, mon Père, vous avez dit, mais là, prouvez dans les Saintes Écritures pourquoi il prie vers le Père. Quel rapport, effectivement, y a-t-il? Parce que je l'ai remonté selon les Saintes Écritures. Et pour ça, ils étaient tellement dit, il dit, mais toi, tu es un docteur. J'ai dit, je ne suis pas un docteur. Je suis un apôtre. Mais c'est que la grâce de Dieu, ce que le Seigneur nous accorde. Le problème, c'est que beaucoup de gens prêchent. Il cite énormément beaucoup de gens. J'ai dit, c'est pour ça que le problème est cela. Il dit, vous vous mettez à pouvoir prêcher, mais vous ne vous rendez pas compte, effectivement, que ce que vous touchez, c'est un jugement pour vous-même. Et vous ne pouvez pas vous mettre à pouvoir prêcher sans, effectivement, avoir rencontré l'auteur. Parce que, premièrement, vous ne savez même pas votre position. Parce que bon, il disait aussi que le pasteur, c'est lui qui coordonne effectivement, donc tous les autres apôtres, les évangélistes et tout ça, ils sont soumis donc au pasteur parce qu'ils avaient mis ça, ainsi de suite. Alors je leur ai dit, ils ont parlé chacun, oui, comme ça, blablabla. J'avais mal au cœur, j'ai dit, Seigneur, je comprends pourquoi tu as voulu que je vienne. Ouais. Puis je leur repose la question, je dis, mais bon, j'ai dit, vous êtes en train de pouvoir mettre l'amalgame dans tout, en fait. Parce que tous ici, vous appelez des pasteurs.
Et que vous voulez régner en fait sur l'église de David cela. Je dis, mais vous confondez en fait. Il y a une différence parce que entre l'église locale et le corps de Christ. Cette distinction-là, vous ne l'avez pas dans votre esprit. Tout pour vous est pasteur. D'abord, un. Deuxième, ce que vous vous appelez pasteur, vous n'êtes pas des pasteurs. Vous êtes des anciens. Alors, il me regarde, je dis, mais oui. Les titres que vous vous donnez de pasteur, ce n'est pas correct. Vous êtes en fait des anciens. Il y a une différence entre vous, anciens dans l'église locale, et aussi pasteur qu'on appelle pasteur dans le corps de Christ. Il dit, mais je vais vous montrer la différence. Parce que dans l'église locale, les anciens sont établis par un apôtre, bien sûr. Je les relis effectivement dans Tite pour leur montrer, je t'ai laissé en Crète pour me donner l'ordre, effectivement. Ils me regardaient tous, j'ai dit, que Dieu aide pour que vous puissiez revenir dans l'ordre. Alors dans le corps de Christ, ces hommes-là qui sont dans le corps de Christ ne sont pas établis par un homme. C'est Dieu lui-même, il a donné les uns comme. Alors, quand on dit les uns comme, ceux-là, ils travaillent effectivement pour l'édification du corps de Christ. Donc, ils sont établis pour le corps de Christ. Vous, vous êtes établis comme anciens dans l'église locale. Alors, vous ne pouvez pas vous dire que quand vous êtes des pasteurs, vous êtes dans le corps de Christ. Non. Vous ne travaillez pas dans le corps de Christ, vous travaillez dans l'église locale. Ah, j'ai dit, mais c'est la différence, c'est comment? J'ai dit, mais je vais vous dire, la différence, c'est que dans l'église locale, vous avez trois sortes de croyants. Dans le corps de Christ, vous n'avez que les seuls croyants. Ce sont des séduits. Donc, il y a une différence, effectivement. Bref, c'est pour. Donc, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, effectivement. C'est là que leur cœur a été vraiment touché pour réaliser que Dieu est vraiment vivant. Et que la parole de Dieu, on doit la respecter. J'ai dit, il faut qu'on respecte Dieu. Il faut qu'on respecte sa parole. Et c'est important, si beau que vous puissiez comprendre que quand vous touchez les saintes écritures, vous serez sévèrement jugé. Donc chaque personne qui se met debout et qui prend les saintes écritures, la Bible, pour dire que je vais vous apporter la parole de Dieu, j'ai dit, il sera sévèrement jugé. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, alors tu vois déjà la difficulté que toi tu vas rencontrer. Donc, il est absolument nécessaire. Et puis j'ai dit, regardez une chose qui est très importante. Vous pouvez prendre les brochures et les lire même du matin jusqu'au soir. Vous n'aurez jamais la révélation. Nous, c'est pour ça que vous avez l'amalgame. On vous a trompé en disant qu'il faut citer quand même, prophète, vous citez de tort et travers en fait la chose. Vous ne prêchez pas la parole de Dieu. Vous êtes comme une radio en fait. Vous ne prêchez pas la parole de Dieu. C'est une radio qu'on a mis seulement le bouton. Prophète a dit, en fait, vous devenez une radio pour répéter ce que le prophète a dit. Mais Dieu n'a pas, Dieu ne demande pas des radios ni des perroquets. Dieu demande des hommes, des serviteurs auxquels il s'est choisi et qu'il envoie effectivement pour apporter la parole de Dieu. Donc, alors, pour que vous puissiez avoir la révélation, Frère Branham ne peut pas vous donner la révélation. Non. Il n'y a qu'un seul qui donne la révélation. C'est le Seigneur. Mais pour qu'il se révèle à vous, il faut que vous puissiez le connaître. Si vous le connaissiez, et vous l'aimerez. Et si vous l'aimez, vous le suivrez. Donc vous arrêterez de pouvoir dire, le prophète a dit, vous direz, le Seigneur a dit. Non, la Bible a dit. Oui. Vos prières ont été entendues. Et alors vous êtes tellement touchés qu'ils veulent que je retourne là-bas au mois de novembre. Parce qu'il y a encore des réunions à Campeche. Au mois de novembre, je dis, je ne saurais pas venir au mois de novembre. Déjà, j'ai dit, c'est la première fois. C'est la première fois depuis que le Seigneur m'a conduit à pouvoir aller de pays en pays que je retourne dans un pays 3 mois après que je sois venu dans ce pays. C'est toujours 1 an après. Alors j'ai dit, j'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que je revienne. Alors mais quand même retourner encore au mois de novembre, ce ne sera pas possible. Ayez pitié de moi quand même. Mais tous,
ils veulent rester aussi accrochés à être ensemble dans l'œuvre de Dieu aussi. Je pense que Dieu permettra aussi que nous puissions avoir aussi une conférence ici, où nous aurons l'occasion de voir aussi. Il faut dire qu'effectivement, comme je disais, ils vous ont salué vraiment chaleureusement. Amen. Oui, ils vous aiment beaucoup. Et surtout, le pasteur John de Cancun, je crois qu'il a même envoyé un message aussi dans reconnaissance. Je donnerai à frère docteur pour voir vous donner aussi, effectivement aussi. Ce qui est merveilleux, c'est que j'étais touché de pouvoir voir comment ce que le Seigneur, notre Dieu... Et vous savez, on n'a pas besoin de faire des pamphlets à gauche et à droite. C'est le Seigneur lui-même qui travaille dans le cœur. Il a rendu son témoignage, effectivement, reconnaissant et me démontrant effectivement ce que Dieu lui a... Je suis même arrivé à chez Thomas, et après la réunion, il y a une sœur qui vient. Il dit, je veux le voir, je viens. Puis il me pose la Didi. Il dit, le Seigneur, j'ai prié, le Seigneur m'a accordé la grâce, m'a touché le cœur, parce que j'étais l'étagé, parce que quand vous étiez, moi j'étais pas là, mais quand vous étiez à San Andrés, donc à Veracruz, je crois que le docteur l'a dit, mais j'ai suivi votre réunion. C'est une sœur qui était à chez Thomas. Il dit, j'ai écouté la parole de Dieu, dit, alors là, Dieu m'a touché et Dieu m'a parlé à votre sujet. Il dit, j'ai quelque chose que Dieu a voulu que je puisse te donner. Elle met sa main dans le sac, effectivement, elle sort quelque chose comme ça, comme un cadeau avec... Je vais vous montrer ça, vous avez oublié. Il dit, ça, c'est de la Pâque, c'est vraiment Dieu qui m'a convaincu qu'il faut que je puisse vous donner, parce que vous êtes un invité de Dieu. J'avais ça à cœur, et depuis que je vous ai vu, j'ai gardé cela jusqu'à ce que je vous voie. Et puis, elle me remet cela aussi pour la reconnaissance avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Le diable s'est dressé aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin, je l'ai dit. C'est pour ça que quand je suis rentré, mon bébé, Jacob, me disait, mais papa, c'est bizarre. Nous avons, parce qu'ils ont, quand je voyage, effectivement, ils ont le programme pour suivre, effectivement, les trajets de l'avion. Il dit, c'est quand même bizarre. Ton avion que tu as pris à Cancun pour venir ici, il n'a pas volé normalement. Il faisait des zigzags. Là, on ne comprenait pas tellement très bien. Il faisait des zigzags. Et puis, il partait, il revenait. Et puis, ceci. Et puis, il n'a pas suivi les couloirs qu'il fallait. J'ai dit, je sais pourquoi. Et puis quand je suis arrivé aussi à Istanbul, venir ici, il dit, mais c'est bizarre, ton avion en question, il est parti, et puis il est revenu autour de contrôle, et puis encore reparti, on est parti en état, ce que le pilote l'a dit. Moi, je dis, je sais aussi pourquoi. Parce que c'était dans la nuit de mardi à mercredi, je pense que c'est là. J'ai vu les démons se dresser contre moi. Il était tellement géant. Oui. Pour bloquer la route, effectivement. Il combattait. Alors, j'ai dit, tu t'es trompé. Amen. Je l'ai ordonné. Il était tellement géant, mais grand, tellement immense. J'ai dit, toi, tu dois devenir petit. Amen. Plus je parlais, plus il diminuait. Il diminuait. Il est devenu petit comme ça. Oui. Et puis il me dit, moi, je ne peux pas mourir, moi, parce que je suis un esprit. Moi, j'ai dit, toi, tu ne te tiendras pas là. Tellement qu'il est devenu petit, je vis un démon, vraiment un démon. Je l'ai vu hein, dans cette tête-là. Et puis il me dit, je reviendrai jeudi. Oui, monsieur, oui, madame. Vous ne vous rendez pas compte des combats que... Nous raconte. Beaucoup se réjouissent en pensant que, mais vous ne savez pas, quand on se tient là, ah, je vais, vous ne savez pas ce qu'on endure. Les combats que nous avons, vous ne pouvez pas imaginer. Il dit, je reviendrai le jeudi. Les démons disent ça. C'est pour ça qu'ils voyaient l'avion bizarrement. Je savais très bien qu'il revenait le jeudi. Alors maintenant, quand je me suis mis le chemin, parce qu'il m'a dit ça, je n'ai rien dit. Puis il a disparu. Et puis je pris le chemin pour aller à chez Thomas. Je n'ai jamais souffert comme ça sur la route pour aller pour tenir la réunion de l'autre côté. Et quand je regardais, j'étais dans la voiture, je regardais juste devant là. Vous n'avez jamais vu les noirs que j'ai vus. Les devants étaient tellement si noirs,
Donc, tu regardes les ciels dans le fond, dans la direction où j'allais. Tellement si noir. C'est comme si c'était, je sais même pas comment expliquer, mais là devant, c'était vraiment tout à fait noir. C'est-à-dire que c'est un endroit, si vous entrez là-dedans, vous savez même pas si vous allez sortir. Donc, ils m'ont montré déjà sur le chemin, ils disent, mais ici, sur cette route ici, tu vas pas y arriver. Et je regarde, je dis, Seigneur, dois-je continuer la route? Déjà, j'étais pas très bien physiquement, mais je savais les combats qu'il y avait. J'ai dit, Seigneur, je vais quand même. On avance avec les frères. J'ai dit, Seigneur, dois-je leur dire que je retourne ou quoi? J'ai dit, non, Seigneur. J'ai dit, je continue. Et je priais. C'est pour ça que vous priez. Merci pour d'avoir prié pour moi. Quand je pars, c'est un combat. Le diable ne veut pas lâcher les gens, en fait, pour qu'ils soient délivrés. Oui. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que même le cœur des gens, m'aimer, c'est pas facile. Hein. Je connais, c'est pour quelle raison je vous dis ça, vous le savez, j'ai dit, là, vous m'aimez, c'est pas facile. Vous pouvez m'aimer un tout petit peu comme ça, et après, ça va être très compliqué. Mais c'est comme ça ma vie, en fait. Je peux vivre avec vous pendant un moment, vous êtes là, vous souriez, nous sourions ensemble, mais un moment arrivera, quand je me tiendrai dans la parole de Dieu, vous n'allez pas me supporter. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause des démons qu'il y a, en fait. C'est les combats, en fait. Vous savez vous-même, parce que vous savez, hein, ça varie chez vous, votre amour à mon endroit, ça varie toujours. Un peu bien, et puis après, vous me souriez ici, mais au fond, c'est comme un bloc. Mais je le sens. Et voilà que j'ai dit, Seigneur, je dois quand même avancer. Et je savais que le Seigneur était avec moi. Je suis avancé, effectivement, là-dedans. Et on continuait à pouvoir aller. Et le ciel était vraiment tout noir. On voit la colère, en fait. J'ai dit, Seigneur, sors devant de moi. Et on roulait, jusqu'à ce qu'en ce moment, on a eu un accident. Oui, le diable a provoqué un accident, effectivement. Mais le Seigneur a épargné nos vies. On est quand même arrivé jusqu'à pouvoir atteindre, effectivement, l'objectif là. Où j'ai tenu la réunion là-bas. J'ai aussi traversé, effectivement, aussi la route. Et aller jusqu'à Belize là-bas. Donc tout ça, j'ai fait toujours pas là. Mais maintenant, regardez que je reviens. Qu'est-ce que je reçois comme message? C'était, je pense, la veille de mon voyage pour aller. Donc, vous savez, il y a un décalage horaire ici, avant d'entrer là-bas ici. Je reçois un message de la compagnie aérienne. Mes yeux, on a annulé votre place pour retourner vers la Belgique. Eh oui, pourquoi? Circonstances. J'ai dit, alors, si vous annulez comme ça, comment je vais rentrer alors? Mais j'ai compris. J'ai dit, ça, c'est le combat. Mais je me suis mis à genoux, je commençais à pouvoir prier les seigneurs. Et c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'à Istanbul. Et j'attendais maintenant de pouvoir voir maintenant pour les vols qui allaient vers la Belgique. Bon, j'allais prendre l'avion, normalement l'avion que je devais prendre à Istanbul pour venir ici, vers la Belgique, effectivement, c'était à 10h35. Mon avion atterrit donc à 10h35. Donc, ça veut dire que, déjà, le boarding, c'était à 10h35 là-bas. Donc, si mon avion atterrit à 10h35, ça veut dire que j'ai raté l'avion. J'ai dit, OK, ça commence bien. Mais j'ai dit, il n'a pas la victoire. Quand on marche avec le Seigneur, il contrôle tout. Dans mon cœur, j'avais la paix. J'ai pris simplement mes valises, enfin, mon trolley, j'ai cherché l'endroit où je devais aller. Il fallait passer encore le couloir, tellement si loin. Je suis allé et le Seigneur me faisait comprendre, sois en paix. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que l'avion qui devait partir de Bruxelles, d'Istanbul vers Bruxelles, soit retardé. Jusqu'à ce que j'arrive. Amen. Je suis arrivé, j'ai fait tout ce qui est nécessaire. Puis on est rentré, l'avion décolle. Alors, il me dit, madame, mademoiselle, monsieur, nous avons un problème. Il dit, quoi, un problème? Problème technique, effectivement. Là, c'est pour ça que les enfants, quand ils ont regardé, ils disent, mais l'avion est parti, et puis il est venu encore sur le télécontrôle, il est encore parti. On est arrivé en retard ici, donc on a atterri, je crois qu'il y a 1h30 de retard. Il dit, mais on a vu votre avion tourner, effectivement, tourner. J'ai dit, je comprends. Mais le Seigneur avait le contrôle. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, si nous pouvons nous revoir, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et il nous donne le soutien et le secours, effectivement, aussi. Que Dieu vous bénisse pour vous qui priez vraiment sincèrement. Amen.
pour moi et qui, en certains moments, vont rester peut-être dans la veillée de nuit pour pouvoir prier pour que le Seigneur me garde. C'est pour ça que j'ai dit, je vous remercie du fin fond de mon cœur de ce que vous avez vraiment prié pour moi. Que le Seigneur récompense chacun de vous qui me porte dans son cœur quand je pars pour que je puisse aussi revenir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever maintenant pour prendre les Saintes Écritures dans le livre des Psaumes au chapitre 1. Notre Dieu est bon, hein? Oui, il connaît toutes choses. Psaume chapitre 1, lisons à partir du verset 1. Il nous dit: heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas donc en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir donc dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau, qui donne donc son fruit en sa saison, et dont le feuillage donc ne s'efflétrit point. Tout ce qu'il fait donc lui réussit. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, je voudrais vraiment te dire encore merci. Merci vraiment pour ton amour, merci encore pour ta protection, merci encore pour ton soutien, merci encore pour ton secours, parce que réellement, tu as eu à pouvoir agir encore davantage, Père. Béni soit ton Saint-Nom pour ton amour, parce que tu es vraiment vivant, mon Sauveur. Merci parce que tu soutiens, tu fortifies encore, mon Sauveur. Mon âme te loue et te glorifie encore aujourd'hui d'être en ces lieux pour pouvoir également aussi revoir ton peuple, la tout-puissant Dieu, et aussi tous ceux qui sont aussi en connexion dans différents pays et différents endroits aussi, mon Sauveur. Que tu sois béni pour tout ce que tu as fait aussi là-bas au Mexique, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans toutes les villes où tu m'as accordé la grâce de pouvoir passer, Seigneur. Oui, ta parole à toi est passée, bien-aimé Père Saint-Dieu, et a été apportée. Tu as eu à pouvoir délivrer, bien-aimé Père Saint-Dieu, ramener aussi, Père Dieu, ceux qui sont à toi, mon Sauveur. Sois glorifié, béni, Père. Je demande la grâce en commandant en oubliant ta parole, bien-aimé Père Saint-Dieu, puisse encore conduire, éclairer encore davantage et nous parler, mon Sauveur. Car je t'ai ainsi prié, mon Seigneur, Père Saint-Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Yes, microphone. Please. OK. Merci. Mais il faudra toujours rester là, Gaylor, t'asseoir là-bas, quand je suis ici, de pouvoir vérifier pour les sons, s'il te plaît. Faut pas aller quelque part d'autre. Si c'est toi ou Pierre Prince qui est là, ou que chacun reste là, vous me regardez ici. Si le son est très bas, je ne dois pas trop hausser la voix aussi. Si le son est très bas, il faut monter les sons. Si c'est très haut, vous diminuez un peu, mais il faut que quelqu'un reste là. Venons de lire dans le livre de Psaume, effectivement, le chapitre 1, que vous connaissez aussi. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir réellement voir que chaque fois qu'on lit cela, pour moi, ça me rappelle toujours la position que nous devons avoir. Parce que ça commence par cette bénédiction qui dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Déjà, comme vous pouvez entendre, le Seigneur notre Dieu a dit à Simon, Pierre, dit, tu es heureux donc. Quand on dit heureux, donc c'est vraiment une personne qui est bénie. Amen. Et ça, c'est déjà cette façon de pouvoir avoir une position comme cela. Tu es déjà dans la bénédiction et que la bénédiction te suit aussi. Il dit, heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Vous savez, si on lit bien ici, hein, dans les Saintes Écritures, il montre trois choses que nous pouvons regarder avec vous ensemble. Il dit ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Vous avez bien entendu, non? On a parlé de méchants. Il dit, et puis qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Des pécheurs.
Et puis, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Donc, trois. C'est-à-dire qu'effectivement, que cette personne-là, il doit avoir combattu, en fait, pour pouvoir arriver à pouvoir garder une telle position. C'est pour ça qu'on dit, heureux donc cet homme-là. Donc, cet homme-là qui a persévéré et qui est resté, effectivement, dans cette position-là. Et puis, qui nous dit, effectivement, regardez comment cette victoire, effectivement, cette personne va dire. Il dit, écoutez bien, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, tu as traversé toutes ces phases, vous allez le voir si Dieu le permet. Et malgré tous ces combats-là, toi, tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. Alors que dans la grande majorité, effectivement, que tous ceux par quoi tu es passé, effectivement, ont été pour te décourager, en fait. Pour que tu n'aies pas à pouvoir prendre en considération la parole de Dieu. Et surtout, pouvoir prendre le plaisir. Et puis, il nous dit encore, et qu'il la médite jour et nuit. Non seulement il trouve plaisir, mais encore, il donne son temps, en fait. Le temps auquel il pouvait courir pour aller chercher l'argent à gauche et à droite, faire ceci, un petit patata, bon, beaucoup de choses, effectivement, pour faire ce qui lui plaisait. Mais il dit non. Il trouve, et qui médite dans ce méditer, dans ce prendre le temps de la lire, effectivement, mais pas avec, pressé comme ça. Non, c'est-à-dire que tu prends plaisir. Donc on prend plaisir à pouvoir les lire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est agréable pour toi. Si tu trouves un plaisir, c'est que c'est quelque chose qui te procure un bien. Mais un bien, ce n'est pas dans le domaine physique. C'est ça la différence, en fait. Parce que dans la grande majorité, effectivement, on cherche les choses qui nous apportent un plaisir physiquement dans notre domaine, effectivement. C'est pour ça qu'on a cet empressement de faire des choses pouvoir y m'avoir, nous satisfaire effectivement nous-mêmes dans l'état dans lequel nous sommes effectivement aussi. Alors, dans 2 Timothée chapitre 3, je voulais simplement lire pour que nous puissions voir aussi clairement aussi, comme il dit, l'homme qui ne marche pas sur le conseil de méchants, quand il est-il, dans 2 Timothée au chapitre 3. Voilà. Je voudrais aussi remercier donc, notre frère Daniel qui est venu ici. Que Dieu le bénisse richement. Et notre frère Christian aussi. Que Dieu le bénisse richement. Notre frère Zaché. Que Dieu le bénisse vraiment. Mon frère Rosario aussi. Et le Seigneur le bénisse. Hein. Mon précieux frère Jonas. Et le Seigneur le bénisse richement. Et vous tous aussi qui êtes restés aussi, attachés aussi à l'Assemblée, que Dieu vous bénisse. Merci encore. Dans 2 Timothée, chapitre 3, nous lisons donc au verset 1, il nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Lorsque la parole de Dieu parle de cela en rapport avec les derniers jours, comme on dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, il faut toujours reconnaître que la Bible a toujours 100% raison. Qu'on puisse raisonner comme on veut, qu'on pense vraiment comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, mais la Bible a toujours raison parce que ce qu'il dit, cela va s'accomplir exactement comme cela est dit. Oui, nous sommes dans un temps difficile. Est très difficile. On pensait qu'on disait effectivement que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus difficile, effectivement. On se disait non, c'est pas tellement. Mais je crois que tout un chacun de vous, aujourd'hui, vous pouvez arriver à pouvoir réaliser qu'en tout cas, les choses ne sont plus faciles. On commence à vivre des choses qu'on ne pouvait jamais imaginez qu'on pouvait vivre. Mais nous sommes dedans.
C'est-à-dire qu'il y aura des temps tellement difficiles. C'est pour ça que, comme nous l'avons lu dans le livre de Psaume au chapitre 1, il dit, mais heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans ces temps, il y a des gouvernements qui prennent des décisions, tous, presque tous. L'homosexualité, lesbianisme et tout ça sont mis à un niveau tel qu'on fait la promotion. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des lobbies, en fait, effectivement, qui sont... J'ai eu à pouvoir, mais c'était touché de pouvoir voir. Ils ont même des avocats, ils ont même des structures, effectivement, qui fait que les homosexuels sont superment protégés. Et on finance bien dans ces domaines, et même maintenant dans les écoles. J'ai eu pu avoir une vidéo que moi, il va pouvoir m'envoyer, effectivement, que... C'est quoi? C'est la sœur Bibiche qui va envoyer cette vidéo-là. Où, en Allemagne, une famille, effectivement, je crois que c'est une famille musulmane, et qui, leur enfant, parce que la famille ne croit pas, et la chose comme l'homosexualité, c'est effectivement... Mais en fait, leur enfant, on voulait donc l'amener pour aller lui apprendre, effectivement, là, qui doit suivre les cours, effectivement, pour apprendre aussi l'homosexualité, comment est-ce qu'ils ont dit que la chose puisse arriver à pouvoir être... Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que ça devient normal. Et avec tout ce qu'on fait maintenant, les gens vont donc s'habituer. Donc vous ne pouvez même pas parler, effectivement, vous ne pouvez même pas dire quelque chose contre. Parce que si vous dites quelque chose, effectivement, si vous avez des problèmes, des amendes, on va te poursuivre. Effectivement aussi, donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles... Dans les écoles, les enfants que nous avons effectivement aujourd'hui, les programmes que j'ai entendu qu'on va introduire effectivement, c'est les programmes effectivement de la sexualité. Pour arriver à pouvoir effectivement aussi conduire nos enfants. C'est vrai, quand je parle de cela, il ne faut pas vous sentir gêné, parce qu'à l'école, tous les petits enfants que vous avez aujourd'hui, que vous voyez qu'ils étaient innocents hier, ils ne sont plus. Parce qu'on est en train de pouvoir pousser les enfants à pouvoir réellement aussi être dans un milieu où ça devient effectivement qu'ils puissent arriver à pouvoir être facilement attirés par... C'est-à-dire que c'est un moyen par lequel Satan est en train de pouvoir... Il veut détruire tout, en fait. Complètement détruit. Alors, ce qui fait que la police est venue dans cette famille-là, ce que j'ai pu arriver à pouvoir voir, pour prendre l'enfant, l'enlever de la famille, de ses parents, pour aller le mettre dans un lieu où il va apprendre effectivement ce que c'est que l'homosexualité. Ça veut dire que maintenant aussi, effectivement, ce qu'il en est, on veut apprendre les enfants à pouvoir maintenant comprendre ça, pouvoir se dire qu'il peut même changer tout ça. Vous comprenez tout ce que je vais même prendre dans le détail. Donc, ça veut dire que ça devient une obligation dans les écoles. Partout où vous allez passer, effectivement, vous savez que vous devez, même dans vos écoles, c'est-à-dire que tous ces gens-là, qui sont des homosexuels, des lesbiennes, ils sont tellement orgueilleux. Ah ben oui, parce qu'ils sentent qu'ils sont des intouchables. Moi, j'ai dit, mais moi, je me pose la question. Pourquoi on finance tellement ces choses, en ce qui concerne les homosexualités, vous savez ce que ça veut dire, non? Eh ben, dis donc, tout ça, on finance tellement, on fait la promotion. Moi, je n'ai jamais entendu, effectivement, qu'on faisait la promotion des mariages normaux. Pourquoi on ne fait pas la promotion? Il faut que, monsieur, madame, vous vous mariez pour avoir des enfants. Non. Posez-vous un peu la question. Parce que ça veut dire qu'effectivement, qu'on travaille maintenant les pensées des gens. Pour y pouvoir leur faire comprendre, effectivement, que ce qui est normal n'est plus normal. Et ça, c'est le plan de Satan. Satan, il a saisi des gens dans des gouvernements, parce que c'est incompréhensible. C'est devenu tellement fort et fort dans presque tout le pays. Presque tout le pays, parce que c'est devenu en fait des décisions qui viennent effectivement des États, puis évidemment aussi dans les hauts lieux, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Donc dans les programmes aussi, ça change. Maintenant, la question est de pouvoir savoir. Puisque vous êtes dans cette société, en fait,
il va aussi arriver quand même que dans les études, comme les enfants vont à l'école, dans tout ça, effectivement aussi, d'une certaine manière, les choses vous seront donc presque obligées. C'est dans l'obligation de pouvoir, il va pouvoir faire ceci. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'allez-vous faire? Je voudrais quand même vous rappeler une chose qui est très importante. Pour ne pas continuer à jouer, à prendre les choses à la légère, effectivement, parce qu'il s'agit de votre vie. Comme je vous dis, effectivement aussi, le combat que vous avez été des yeux naturels, vous ne le voyez pas. Mais le combat est devenu très sérieux. Le diable, Satan et ses démons, ils savent qu'ils n'ont que très peu de temps. Jeune homme, jeune fille, réveillez-vous. Si vous êtes un frère ou une sœur, il faut vous sauver pour votre vie. Il faut vous battre pour votre vie. C'est important. Vous avez souvent entendu parler de martyrs, effectivement, de nos frères qui nous ont précédés. Je vous l'ai dit ici tout le temps en vous répétant, venez dire, mais les frères et sœurs, ce n'est pas un jeu de voix, c'est dire, ah bon, pardon. Non. L'Odyssée, c'est tous les démons là qui se concentrent dans ces lieux-ci, de toutes sortes de séductions. Je voudrais que vous, frères et sœurs, vous compreniez. S'il y a des frères ou des mamans ou des personnes assez âgées qui ne comprennent pas bien le français, demandez qu'on demande peut-être à un frère qui peut être à côté de vous pour pouvoir aussi vous interpréter ce que vous entendez, ce que vous allez entendre aujourd'hui, que ça rentre vraiment dans votre cœur, dans votre esprit, pour ne pas être distrait pendant que peut-être que vous êtes distrait parce que vous ne comprenez pas bien le français. Mais vraiment, je voudrais que les diacres surveillent effectivement aussi pour voir vers les personnes qui sont âgées, posent la question, est-ce qu'ils comprennent bien le français? Sinon, s'ils ne comprennent pas la langue, cherchez un frère qui est ici aussi, puisse arriver à pouvoir interpréter pour eux. C'est absolument nécessaire. L'heure dans laquelle nous vivons, le temps dans lequel nous sommes en train de pouvoir vivre, ce n'est plus un temps où il faut jouer. Parce que si vous jouez, et vous pensez que demain, vous avez un avenir tellement long avec des projets, non, frères et sœurs, jeune homme, jeune fille, vous vous trompez. Le programme qu'on est en train de pouvoir vous établir demain. J'ai eu aussi, c'est toujours la sœur Bibichois, j'ai eu aussi, ça c'est quand même extraordinaire. On est en train d'établir un programme pour faire de vous dans des camps de concentration à ciel fermé. Bien sûr que oui. Ils sont tellement rusés dans tout ce qu'on doit faire. Vous savez ce qui s'est passé, ce que j'ai entendu. Nous avons resté dans Timothée. Les vaccins que vous avez reçus là, vous vous souvenez, hein? Que beaucoup de gens s'est levé ici quand on parlait. Mais bien sûr, mais bien, ils viennent maintenant de vous dire maintenant la vérité. Les vaccins qu'on vous a injectés avec l'ARN messager. Oui. Et oui, maintenant ils les disent, je vais vous envoyer ça, je vais demander au docteur de pouvoir vous envoyer. Vous allez les lire vous-même. Ces vaccins-là vont interagir effectivement avec ceux qui sont en train de pouvoir faire effectivement des connexions avec les 5G, avec tous ces entités effectivement aussi, parce qu'ils font effectivement une structure. Oui, ils ont commencé à le faire là, en Hollande. Vous n'êtes pas au courant, mais bien sûr que oui, on rase là-bas. Vous savez, toujours avec les programmes, vous avez dit, et comment ça s'appelle, c'est les problèmes de climat, il faut qu'on puisse faire ceci, réduire les CO2, parce que vous savez ce qu'ils ont découvert? Je dis, voilà, pour les COD, les animaux produisent beaucoup de COD, donc on réduit les animaux. Nous sommes en train de dormir. Mais le diable, il est vraiment en colère. Il ne dort pas. Donc il a fait qu'en fait, que dans les vaccins avec des messagers, des ARN messagers, là, avec ces programmes-là qu'ils ont mis dans le corps des gens, ils vont vous contrôler. Oui, quand je vous disais ici à l'époque, il ne faut pas aller vous faire injecter ce soir, moi j'étais comme un fou. Mais après, ils vous l'ont dit. Et puis, ils vous ont dit qu'en fait, ces injections qu'ils vous ont fait là maintenant, oui, mais c'était dans un but. Parce que tous ces hommes-là qui ont beaucoup de moyens, ils mettent des moyens effectivement pour fabriquer des choses effectivement. Ils ont dit ça. Ils ont dit que non, ce n'est même pas pour longtemps, ça va se déclencher pour bientôt. Bien sûr que oui, avec des preuves à l'appui scientifiques. Donc ça veut dire que l'heure dans laquelle nous sommes, c'est vraiment très avancé. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. Nous n'avons qu'à lutter contre les démons,
les mauvais esprits. Et ces démons-là, Satan, il sait hein, effectivement très bien d'où il était et la gloire qu'il a pu voir. Et il sait qu'effectivement que toi, si tu persévères dans la parole de Dieu, tu vas voir cette gloire-là que lui ne pourra jamais avoir. Alors il ne peut pas te laisser le passer. Parce que vous direz, ah frère, nous sommes des élus de Dieu. Effectivement, les élus de Dieu, tout ne va rien arriver. Je vous pose la question de savoir, si vous êtes... Prenons une question, une question simple. Parce que vous vous mettez tellement beaucoup de choses dans la tête, effectivement, vous dites, mais tout est fini. Non, je vous pose la question. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'était-il pas l'élu de Dieu? Quand il est venu sur la terre, il veut dire, bon, je suis l'élu de Dieu, rien, je ne vais rien faire. Tout va seulement bien se passer pour moi. C'est comme ça qu'il a agi. Il a prié jusqu'à ce qu'il y ait des grumeaux de sang. Et toi, tu me dis ici, non, je suis un élu de Dieu, frère, je vais partir, même si on me dit ça, frère. Et qui te dit d'abord que tu es un élu? Parce que si tu étais un élu, tu tremblerais d'abord, mais Seigneur, les Jésus arrivent et me disent, mais je dois me préparer. C'est dans ton intérieur. Pas dans ta tête, effectivement, tu dis, ah bon, je suis assez bon, de toute façon, on peut parler, mais ça... Non, ça veut dire que déjà, quand tu as cette position-là, tu n'es pas un élu. L'élu, ça brille dans son âme, effectivement. Oui. C'est sûr et certain, parce que... C'est-à-dire qu'il se rend compte, effectivement, que un travail va se faire, normalement, en lui, en fait, pour arriver à pouvoir maintenant combattre ce qu'il a mené. C'est-à-dire maintenant, pour combattre et vaincre cela, comment je dois faire? Le Seigneur dans le jardin de Gethsémané, il a regardé, il m'a dit, mais si c'était possible, lui-même Dieu, l'élu de Dieu, il veut dire, oh, ben bon, c'est de la chose, regarde, non, il n'y a pas de problème, je vais traverser route. Non, 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 monsieur. Il a eu à pouvoir dire, il était dans l'angoisse, il était dans le livre, s'il était possible que cela, que cette coupe puisse même s'éloigner de moi. Et puis là, il dit, mais toutefois, non pas ce que je veux, c'est ce que toi tu veux. Parce que c'est pour ça que je suis venu pour cela. C'est-à-dire, il faut que tu réalises d'abord, effectivement, qui tu es, effectivement. Parce que c'est pas que tu dis, oh, je suis élu, eh bien, pas de problème, ça peut être en... Non, 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 non. Tu dois savoir la position que tu dois avoir. Et un élu montre, effectivement, ce qu'il est, les caractères qu'il a, effectivement. Dans les moments les plus difficiles, il connaît la position qu'il doit savoir. Bien sûr que oui. Alors, dans les Timothée, il dit, sache que les jours, effectivement, il y aura des temps difficiles. Dans ce temps où nous sommes, nous disons effectivement aussi, parce que nous avons dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que des décisions vont être prises. Oui, à l'école. Bien sûr, c'est pour ça qu'on voit les combats qu'il y a. Vous savez, frères et sœurs, quand on va dans les écoles, on me dit, mais oui, pour faire ceci, tu dois mettre des pantalons, tu dois mettre des mini-jupes, effectivement, tu dois faire ceci. Et puis, des frères, des sœurs, des frères, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu dois savoir ce que tu dois faire. Parce que là, maintenant, on me demande de porter des pantalons, on me demande de pouvoir me maquiller, et qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on me dit, c'est pour mon travail. Quand tu poses la question, est-ce que tu n'as pas une position? Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu dois savoir que ce qu'on dit là, mais c'est pour contre toi. Toutes les décisions qu'on prend sont contre sans inquiétude. On combat qui? On combat toi les croyants. Tu crois qu'on combat des gens, déjà le monde les accepte de tout. Hein? Déjà, depuis qu'on a commencé à dire, mais ah, on a tellement légiféré l'homosexualité. Tout le monde se sent homosexuel aujourd'hui. Mais c'est vrai. Vous voyez, les petits qui étaient normaux. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit qu'il n'y a pas de problème hein, et on vous soutient. C'est la technique du diable. Et toi, un fils de Dieu? Parce que le monde suit la tendance. C'est comme un exemple, effectivement. Vous avez un monsieur qui est vraiment sataniste, qui vit une vie de cochon, qui fait sortir une mode, je sais pas moi, d'un vêtement. Et toi, tu te lèves le matin, parce que bon, on a fait la publicité, hein.
Tu veux quand tu me donnes, je veux ça. Je donne par exemple, je donne l'exemple. Bon, ça, ça m'a étonné aussi parce que j'ai vu. On fait sortir le monde des babouches de chambre. Vraiment, s'il faut être vraiment assez, assez bas, je ne vais pas comprendre. Les babouches que tu as dans la chambre à coucher, pour aller de la chambre à la toilette. Il y a un fou, il y a un monsieur qui sort là. Et vraiment, je ne peux pas comprendre comment vous... Et il sort là comme ça, et puis il prend ses babouches là, il monte avec l'avion, parce qu'il est ici, c'est une star qui est connue, je ne sais pas moi. D'abord, c'est une, même pas des étoiles, mais fait bon. Parce que quand on dit une star, c'est une étoile. Ah, Dieu ait pitié. Et puis, il fait ça, vous demain, vous aussi, on vous voit ici, sœur ou frère, on va à l'église avec des babouches. C'est pour ça que je dis, mais ici, quand vous venez, j'ai toujours insisté, je dis, mais pour les frères qui montent ici à la chair, qui viennent comme un bonhomme, ah, jamais, je ne vais pas voir un frère débraillé comme ça, qui vient. Non, ici, on s'habille bien, on est propre, sur cravate, on est pantalon bien. Pas, on ne vient pas avec des chanteurs, et puis avec des babouches des plages. Oh, gloire à Dieu, Seigneur, béni. Non, là-bas. Non. Non, ici, c'est. Ça, c'est comme ça que je dis. C'est ce que je dis. Ici, c'est l'ordre. On respecte Dieu, on s'habille bien, pas chemise déboutonnée ici, avec une grosse chaînette là qu'on vient. Ah, oh, éternel, notre Seigneur, que ton nom soit béni. Ici, non, monsieur. Non. Tu es bien propre là, parce qu'ici, on honore Dieu. Amen. On respecte Dieu. Et puis, il ne faut pas aussi me venir ici avec des babouches des plages. Gloire à Dieu. Non, pas gloire à Dieu ici. Dehors. C'est pas la plage ici. Toutes les saletés qu'on vous montre là-bas, dehors, vous prenez ça, vous menez ses frères. Non, ce n'est pas possible. Et puis, il réfléchit très bien. Ce sont des gens qui sont des ungodly, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Des gens qui sont inspirés par des démons. Toi, tu ne peux pas suivre la tendance d'un démon quand même. Oh, c'est la mode. C'est la mode, ça vient d'où? Toi, ta mode à toi, elle est ici. Non, mon frère, non, ma soeur, c'est pour votre bien. Quel est l'esprit qui est conduit? On nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais toi, tu es conduit par quel esprit? C'est vrai. Parce que vous voulez, oh, je vais montrer comme c'était à la mode, je viens comme ça, je vais voir avec, bon, les frères vont voir que, oh, je suis aussi à la mode. Non, on voit que tu es conduit par des démons. Amen. Non, faut, frères et sœurs, non. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, ne suivez pas la mode. Amen. La mode n'est pas pour vous, amen. La mode est pour les mondains. Amen. Habillez-vous normalement propre. Vous n'avez pas besoin d'exhiber parce que ces gens-là, ils font. Regardez comment ils ont tellement détruit le monde aujourd'hui. Et les mamans, et les papas, et tout ça, et là, ils sont tous presque nus dehors. Je dis, mais les gens sont devenus fous. Quand même, un être humain réfléchit un tout petit peu, en effet, ce qui a un brin de réflexion. Non, monsieur. On voit dans les magazines, là, tout ça, que ce sont. Ah, c'est qu'on appelle là ces gens des. Et puis, ces gens des cinémas, c'est quand même pas possible. Je me suis dit, mais en tout cas, je ne sais même pas me dire, mais que Dieu ait pitié de nous. Ces gens-là, ils gagnent beaucoup d'argent pour des bêtises. Ce sont simplement des comédiens. Et quand on le voit, on les admire comme c'était des dieux. Il est allé passer à l'écran pour pouvoir raconter des saletés, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, effectivement. Et vous admirez cela, vous trouvez cela tellement si beau. Et puis, il devient votre idole. Vous avez des séries dans les télévisions que vous suivez. Des gens qui vont se couper les machins, tout truc. Et vous êtes en train de vous regarder. Et puis, ça travaille sur vous, frère. Ça vous sert aussi. Votre attention, s'il vous plaît. Et puis, Dieu t'a fait bien, mais tu cherches à pouvoir qu'on coupe. Pourquoi? Parce que les démons t'ont influencé. Tu dis à Dieu, en tout cas, toi, tu n'as pas fait bien ton travail. Ce que Satan veut, toi, lui, il t'épouse toi, que toi, tu te révoltes contre lui. C'est lui qui s'est révolté. Mais il t'épouse toi maintenant pour que toi, tu puisses avoir la même condamnation que lui. Je vous l'ai dit ici dans cette écriture. L'enfer a été créé pour Satan, pas pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Amen. 2 Timothée, chapitre 3. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est vrai.
Parce que, vous savez, Satan cherche toujours à influencer les gens dans le mauvais sens. Dans les écoles, vous aurez des gens, bien sûr que oui, vous aurez des gens, des camarades de l'école, vous vous rendez compte, effectivement, comme des garçons, comme tu as des filles, effectivement, vous allez trouver quelqu'un qui va dire, oh, tu as des longues jupes comme des mémés, et puis, ouais, et tu te coiffes, avant, tu étais jolie, tu avais des mèches qui tombaient jusque là. Bien sûr. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les vacances, il y a un changement chez toi. Tu étais la star là, on te voyait avec des longues manches qui tombaient comme ça. Et puis tu commences à voir peut-être abattre la télé, les yeux comme ça. Ah, c'est, oui, mais maintenant, ouf, qu'est-ce qui s'est passé hein, chez toi là? C'est tout ça, c'est les diables. Hein. Il va se mettre dans la bouche de quelqu'un là pour que tu puisses. Mais c'est ça le problème. C'est le problème. C'est le problème de ta position à toi. Il y aura des temps difficiles. Nous continuons, il dit, car les hommes seront donc égoïstes. Maintenant, toi, mon frère, et toi, ma soeur, la question pour pouvoir savoir, c'est poser aussi la question de savoir, est-ce que moi ici, c'est important, je me trouve dans cette catégorie-là ou pas? Parce que tout ce qu'on va nous citer ici, il faut que tu sois sincère envers toi-même. Parce que je vous en supplie, vous n'avez rien à voir avec Satan ni avec l'enfer. Amen. Vous devez réaliser que ce n'est pas l'endroit où vous devez aller. Amen. Vous avez la grâce que Dieu vous montre que vous, vous devez aller au ciel. Amen. Mais si vous ne voulez pas aller au ciel, Dieu ne va pas vous forcer. C'est en fait, le choix vient aussi de vous. Ah, c'est sûr et certain. Et Jésus dit, il faut m'expliquer à l'ennemi. Quand j'entends dire, mais les hommes seront égoïstes, pose-toi la question, on va savoir. Est-ce que moi ici, je suis égoïste? Parce que souvent on dit, ah, c'est égoïste, est-ce que je ne donne pas du pain aux autres? Non, c'est dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines, dans ta propre vie, en tant que croyant. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, nous avons grandi. Il faut que nous comprenions les choses de la bonne manière. Vous savez, dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous savez ce que la Bible dit? Voilà, il dit ici. Verset 5 qui dit, elle ne fait rien de malhonnête et ne cherche point son intérêt. Vous comprenez ça? Quand on cherche son intérêt dans tout ce que l'on fait, c'est qu'on est égoïste. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que la Bible dit. Parce que quelque part dans les Saintes Écritures, je pense probablement dans Philippiens, à moins que je me trompe, mais c'était peut-être voir effectivement aussi là-bas. C'est Philippiens probablement qui nous dit ça peut-être. Hein. Philippiens chapitre 2, verset 3, il dit. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4, il dit, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de... Voilà. Donc si dans tout ce que je fais, je parle bien ici des croyants, je parle bien de fils et de filles de Dieu, s'il vous plaît. Il faut que ce soit bien compris. Il dit, si toi, dans tout ce que tu fais en tant que fils de Dieu et fille de Dieu, tu cherches ton propre intérêt,
c'est que tu as un problème. Parce que tu es égoïste, en fait. Égocentrique. Toujours moi, en fait. Tourne vers soi-même. Ça, c'est un sentiment qui est le nom, que je pose la question à chacun de vous, quand même, que vous pouvez vous regarder, vous observer, et pour voir effectivement si dans chacun de vous. Parce que tout à l'heure, je disais, quand on parle d'égoïsme, c'est dire, alors, je donne mon pain à tout le monde, effectivement. Oui, mais tu donnes ton pain, mais ce n'est pas seulement ça. L'égocentrisme, l'égoïsme en fait. Tes propres intérêts. Moi, je dois passer d'abord le premier. Moi, je dois faire tout pour qu'on voit que moi, j'ai. Toujours ça. Hein? Le moi, en fait. Moi. Mais tu ne considères pas l'intérêt des autres, en fait. Les hommes seront donc égoïstes. Nous continuons. Car les hommes seront donc égoïstes, amis de l'argent. Tout un chacun de nous tous ici. C'est ça le problème. Et Satan le sait très bien. Le monde entier, aujourd'hui, tout ce qu'ils font, ainsi de suite, c'est toujours à la recherche de l'argent. C'est l'arme que Satan tient, en fait. Tous ces gens qui vont vers les satanismes et tout ça pour chercher la gloire, c'est toujours l'argent. Qu'il n'en soit pas ainsi avec vous. Qu'aucun de nous, aucun des fils de Dieu, même s'il a de l'argent quand même, il faut qu'il comprenne que c'est un moins. Il faut d'abord que le Seigneur te délivre dans la pensée, que tu comprennes que je me regarde, je n'ai pas de l'argent, je suis comme ça. Mais maintenant, je veux avoir 1 million d'argent. Qu'est-ce que cet argent va changer en moi? C'est toujours dans l'illusion. Que tu aies 10 millions ou que tu aies 1000 euros, ça ne peut pas te changer. L'argent, s'il vous plaît, ne peut pas monter la valeur d'un homme. C'est la fausseté que Satan met dans la pensée des gens. J'ai 7 milliards sur mon compte. Et alors, si tu as 7 milliards sur ton compte, qu'est-ce que tu veux faire alors? La démarche change. J'ai dit, bon, même si sa démarche change, tu restes toujours la même personne. Tu peux aller changer de couleur, je ne sais pas moi, qu'est-ce que, tu veux, mais tu seras toujours la même personne. Il y a eu un homme. Vous me suivez bien, hein? Du nom de Job. Il était super riche. Mais il était super simple. Parce que le diable s'est trompé en disant que, comme il a de moyens, son cœur est dans ces moyens-là. C'est pour ça, quand je regarde des frères ou des sœurs, il est simple quand il n'a pas beaucoup de moyens. Mais une fois qu'il a des moyens, le frère ou la sœur change. Il veut vous donner l'impression qu'il est vraiment le plus important et qu'il commence... Frère, ça c'est vraiment l'absurdité totale. C'est-à-dire que vous avez perdu la raison en fait. L'équilibre, vous n'en avez pas. Vous êtes devenu donc charnel. Vous avez quitté donc la voie de Dieu. Et vous êtes toujours à l'église. Hein? Mais vous n'y êtes pas en fait. Parce que... Le fait d'avoir, finalement, ce genre de choses, effectivement. Et ça, c'était un piège de Satan, en fait. C'est pour ça que cet homme sage, Salomon, disait, « Seigneur, notre Dieu, ne m'en donne pas trop !» Que Dieu nous aide. Frère, la Bible a toujours raison. Prions pour que Dieu nous donne la grâce de vivre sur les saintes écritures. Ne m'en donne pas trop, mais ne m'en prive pas non plus.
Donne-moi ce qu'il me faudra. Afin que mon cœur soit attaché à toi. Qui peut accepter de prier comme ça? Je ne pense pas que la plupart de nous ici, nous prions comme ça, ce qu'on veut trop avoir. Parce qu'on nous a habitués maintenant dans le monde naturel que pour être un homme, pour s'en sortir, il faut de l'argent. Mais moi, je vous apprends que pour un homme, pour s'en sortir, il faut la Bible. Sous cette terre, tu n'as besoin que de ça. Quand tu as ça, tu as l'or, tu as l'argent. Mais bien sûr, mon frère. Il a dit, à moi l'or et l'argent. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité, frère. Parce que la Bible nous fait savoir, c'est important, frère et soeur, nous sommes dans un combat. Si vous ne connaissez pas l'ennemi et pas comment le combattre, vous allez avoir la défaite. Il sait comment vous tenir. Pourquoi vous avez des problèmes en famille avec votre mari? C'est toujours avec un problème pour votre salaire. C'est ça, il sait, il est intelligent. Il dit, je vais serrer là-dedans, tu vas voir m'équilibrer, effectivement, aussi. Oui. Oh, Seigneur. Vous pouvez vaincre les démons, mon frère et ma soeur. Pourquoi toujours il y a des problèmes? Hein, mais à cause de l'argent. L'argent est la racine de tout le monde, la Bible le dit. Beaucoup ont perdu la foi à cause de ça. Amis de l'argent, c'est dans ces temps. On vous a fabriqué des vaccins, des milliers de vaccins en avant. Pourquoi? Parce que vous allez gagner l'argent. Tout ce qu'on fait, c'est le monde de l'argent. Et toi, tu es dedans. Il a dit, mais tu ne vas pas échapper, tu es dedans dans ce monde. Et tu ne peux que tout. Parce qu'il dit, mais tout ce que tu dois, il faut avoir l'argent, l'argent. Mais Dieu ne m'a pas dit ça. Lui, il m'a dit que le juste ne vivra pas. Alléluia. C'est contraire à ce que le monde veut. Et ça, le diable ne veut pas entendre. Il veut te tourmenter dans l'argent. Oui, je dois avoir, effectivement. Les factures viendront. Mais Dieu, notre Seigneur, pourvoira. La veuve de Sarepta. Cette veuve-là qui n'avait que son enfant, effectivement, dirait l'autre, dont les créanciers sont venus. Parce qu'il n'avait pas de moyens. Il n'avait pas d'argent. Tout ce qu'il avait, effectivement, il n'y avait plus rien. Effectivement, il dit, mais on vient prendre même les enfants. Les créanciers viennent prendre l'enfant. Et puis, il dit, mais l'homme de Dieu passait par lui, il dit, mais souviens-toi que mon mari était serviteur de Dieu. Voici qu'on va venir, effectivement, prendre mes enfants. Et puis, il pose la question à voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison? Des héros? T'es de là? Qu'est-ce que tu as? Il n'y a quelqu'un face d'huile. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu te fait vivre, mon frère. Ne néglige jamais cela. C'est important. Il faut comprendre, il faut que nous comprenions combien Satan séjoue des gens. Il travaille, effectivement, pour pouvoir te pousser, mais avec une ruse. C'est que tu sortes effectivement de ça. Parce que ça, c'est ta victoire à toi. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Bien sûr. Tu dois toujours te souvenir. Si tu ne médites pas la parole de Dieu jour et nuit, comment peux-tu avoir l'arme nécessaire pour combattre, effectivement, résister? Parce que dans les temps où nous sommes, ce sont des temps difficiles. Jeune homme, même à l'école, même à l'université, ne tiens pas compte de ton intelligence parce qu'ils peuvent te faire descendre facilement. Il y aura des gens qui seront jaloux parce que tu es de ceci, tu es de cela. On ne veut pas que tu réussisses sans Dieu. Tu ne réussiras pas. Mais lui, il te dit ceci. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, alléluia! Tu seras la tête et non pas la queue. La parole doit s'accomplir pour toi. Le diable veut t'établir pour dire, mais quitte là-dedans, cherche des moyens. Toi, dis non! Le seul moyen que j'ai, c'est ça. Il a dit, je le crois, je reste là-dessus. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers,
C'est le Dieu des esprits. C'est lui qui contrôle toutes choses. Quand il était sur la terre, paye l'impôt, paye l'impôt, paye l'impôt. Il regarde et sourit. Est-ce qu'il dit, les fils des rois payent l'impôt, c'est-à-dire on laisse tranquille. Il dit, bon, ben, Pierre, va. Il veut que nous payions l'impôt. Il n'y a pas de problème. Rends-moi César ce qui est à César. Il ne travaillait pas. Il dit, mais Pierre, viens. Va pêcher un poisson. Pierre pêche le poisson. Il fait sortir les poissons. Il dit, ouvre dans la gueule le poisson. L'argent juste pour payer l'impôt de tout un chacun. Mon frère et ma soeur, le Dieu que toi tu sais, on nous dit que c'est lui qui est en toi, frère et soeur, revenons à lui, c'est lui qui est en toi, il est plus grand. Même quand ils vont fermer les boutiques à gauche et à droite, s'il est en toi, il pourvoira. Vous direz, mais frère, comment Acab n'a-t-il pas fermé pour Élie? Acab n'a-t-il pas privé Élie de manger? Mais le corbeau venait apporter une nourriture à Élie. Passez tenir la parole de Dieu, mon frère. C'est pas l'argent qui va changer ta vie à toi. Non. Parce qu'il ferme même les robinets d'argent en question. Ils veulent tout contrôler. Ils veulent même éliminer l'argent billet pour contrôler simplement les virements, les comptes, et ainsi de suite, effectivement, dans tous les domaines. Et qu'est-ce que tu vas faire? Vous, vous n'êtes pas du monde. Ne vous confiez pas dans ce monde. Nous sommes des étrangers. Ça, il faut que vous puissiez comprendre cela et le croire, afin que vous puissiez avoir cette foi pour vous accrocher à ce qui vous identifie, vous. Ce n'est pas tous ces messieurs qui mènent une vie de prostitution à gauche et à droite dans les cinémas et tout ça, que vous puissiez prendre leur modèle, ou ces femmes qui vivent d'une vie, je n'ai même pas cité les termes, effectivement, que vous, filles de Dieu, saintes et mises à part, vous puissiez aller vous souiller dans ces choses-là abominables. Vous n'en avez pas besoin. De suivre tous ce qu'ils font là. Comme ça, on se dit, elle va dans les séries là, ah, et sont jolies. Et sont jolies en quoi? En se faisant couper tout le bazar, en faisant gonfler les trucs, machin. On n'en a pas besoin. La femme qui est, doit être louée. Ah, c'est celle-là qui crée l'éternel et qui est naturelle. Je crois que, on m'a envoyé un, parce que parfois vous n'êtes pas quoi, on m'a envoyé un message que j'ai eu là, on a fait un sondage. On demandait aux hommes, quelle est la femme que vous voudriez épouser? La femme maquillée, avec tout ce machin, tout ce qu'il fait là, ou la femme naturelle? Il semblerait que 70% des hommes ont répondu la femme naturelle. Amen. 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 Oui. C'est étonnant. Alors que Satan vous met dans des bazars pour que vous puissiez. Vous n'êtes même pas vous-même. Il faut voir, hein, quand ils sont, c'est comme des monstres, des démons qui sortent de la tombe. Mais c'est difficile d'en se séparer parce qu'ils sont possédés. Mais quand Dieu arrive à pouvoir toucher le cœur, il faut glorifier le Seigneur. Parce que ces démons-là, quand ils s'accrochent à toi pour t'en débarrasser, ah oui, ça, pour t'en débarrasser. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si les papas ou les mamans qui poussent leurs enfants pour se mettre les crayons sur les yeux et les pommades, tout ce, enfin les poudres qu'on mettait dans les pommades, les poudres, tout ce bazar-là, et qu'ils font faire des choses comme ça. Mais ces gens, si ce sont des frères, il faut donc qu'on les invite à pouvoir venir se mettre à genoux. Pour qu'on, non, ce n'est pas pour dire, mais pour qu'on prie pour leur délivrance. Parce que si la maman pousse l'enfant, la fille à pouvoir se maquiller, si la maman se maquille elle-même, c'est qu'elle a un démon. Oui. C'est pour ça que vous devez savoir ce que vous faites avec vos enfants. Si vous le poussez dans le mauvais sens, effectivement, ce que vous-même,
vous êtes déjà dans le mauvais sens. Parce que les enfants ne font que ce qu'ils voient leurs parents faire. Même s'ils vont à l'école, mais quand même, à la maison, ils voient. Si on voit que la maman, elle se met ceci, les poules, tout ça, qu'est-ce que l'enfant va faire? Puis il doit avoir une force quelque part. Et les démons vont s'influencer, paf, boum, et puis paf. Et puis bon, c'est terminé là. C'est difficile. Il faut vraiment la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il est tellement absolument important dans les conditions dans lesquelles les choses se passent aujourd'hui que papa, maman, prenons le temps de nous mettre plus régulièrement avec nos enfants à genoux. Il ne faut pas influencer vos enfants, laisser aller dans le mauvais sens. Il faut toujours conduire les enfants dans le bon sens. Ne pas laisser, parce que quand vous laissez un espace comme ça, vous allez détruire cet enfant. Et Dieu va vous demander de compte pour l'enfant. D'abord, vous devez savoir que cet enfant, vous dites le vôtre, d'abord, premièrement, il est à Dieu. Dieu, c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre aussi quand vous maltraitez vos enfants, il faut être juste dans ce que vous faites. Quand vous maltraitez le vôtre, Dieu va vous demander des comptes. Parce qu'il vous a confié cet enfant. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est une responsabilité que vous devez arriver à pouvoir assumer. C'est une tâche. Vous avez voulu avoir un enfant. Vous avez pleuré. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un bébé. Je n'arrive pas à pouvoir voir. Et Dieu vous a béni. Et vous avez l'enfant. Qu'est-ce que vous faites avec cet enfant? Et puis il y en a ceux qui, quand ils ont eu un bébé, ça devient comme un dieu. À l'église aussi, leur vie aussi change. Mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Ça aussi, c'est pas conforme. Amen, amen. La vérité. Il faut que les choses soient comprises de la bonne manière, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas comment faire comprendre, mais c'est nécessaire. Le diable, il est très rusé, très mauvais, très méchant. Parce que quand vous vous y accrochez comme ça, il est fait comme votre idole, effectivement. Faites attention parce qu'il va lui arriver. Il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton amour le plus profond et le plus ardent doit toujours aller vers le Seigneur. Dans toutes les circonstances. D'ailleurs, il est dit lui-même, c'est lui qui aimera son enfant plus que moi. C'est pour ça, vous, parents, faites attention à l'amour exagéré que vous mettez à votre enfant. Ne touchez pas ceci et cela. Non, 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 non. Si c'est un enfant que vous avez eu, que Dieu vous a accordé la grâce de vous avoir, et que vous avez aussi une famille qui est la famille en Christ, et l'enfant appartient aussi à la famille en Christ. Suivez-moi, s'il vous plaît, votre attention pour ne pas dire que nous savions pas, n'avions pas entré des va-et-vient, et c'est un peu le diacre, c'est un peu le contrôler qu'il n'y ait pas trop de va-et-vient ici. Je veux que les parents, les papas et les mamans comprennent. C'est nécessaire. Pour ne pas que quelqu'un dise, ah, j'avais pas entendu. Non, vous devez entendre. Et comprendre qu'effectivement, que votre façon d'agir avec votre enfant, il faut que vous puissiez être équilibré en cela. Pas qu'on frôle l'adoration, et ceci, c'est le mien, c'est que... Et puis les autres, on en a fait une poupée. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut quand même que nous soyons quand même normalement équilibrés. C'est un être humain, c'est pas une poupée. Et puis, on ne peut pas l'habiller n'importe comment non plus, comme une poupée. Respectons quand même les choses dans le monde. Hein? On habille les enfants normalement, comme cela se doit, pas lui faire tout un tas de choses comme une Barbie. C'est comme on dit, non. C'est pas une Barbie, c'est un être humain qu'on doit arriver à pouvoir considérer avec beaucoup de respect, de considération, un bébé que nous devons aimer. Et ça, c'est que nous devons comprendre effectivement ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons équilibrés dans tout ce que nous sommes en train de pouvoir faire. Il faut que d'abord que le Seigneur soit vraiment le maître dans notre cœur, qu'il soit celui que nous aimons davantage et profondément, alors lui, il donne l'équilibre dans tout ce que nous faisons. De Timothée 3. Donc, quand les hommes sont donc amis de l'argent, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrat. Nous en avons parlé aussi une fois. Surtout le côté ingratitude. Il y a beaucoup de frères et de sœurs, entre parenthèses, et des enfants, et tout cela, qui sont toujours un peu plus ingrats. L'ingratitude est la nature de ceux qui ne sont pas de Dieu. Dieu aime celui qui est reconnaissant de ce qu'on a fait pour lui. Souvenez-vous des 10 lépreux. Les 10 ont été guéris. Et quand ils sont partis sur les chemins, les 9 se sont trouvés car nous sommes guéris. Ils ont continué leur chemin. Mais il y en a un qui s'est regardé et dit, ah, 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 j'étais mort. Un lépreux. Vous ne pouvez même pas entrer en contact avec les gens. Mais cet homme m'a délivré de cette maladie. Je retourne pour lui dire merci. Il est retourné pour dire merci au Seigneur. Ce merci n'était pas une formule. C'était une reconnaissance. Mais avec vraiment un cœur humilié et brisé, avec beaucoup d'amour, reconnaissant à cet endroit-là, l'endroit de cette personne-là. En tout cas, ce que tu as fait pour moi, personne ne pouvait le faire. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, même si la soeur te donne le bélier, il ne faut pas dire, ah, elle fait tout le temps le bélier. J'ai donné un exemple. C'est-à-dire, toujours le bélier. Frère, cette personne se donne la peine de pouvoir frire la chose. De faire la pâte. Et non, que Dieu ait pitié de nous. Il fait la pâte, effectivement. Il peut même se brûler avec l'huile. Il est fait de tout son corps. Il pense à toi. Quand même. Puis toi, tu prends avec mépris. Non. La personne a souffert. Dieu va te juger. La personne a souffert. Il a fait ça de tout son corps. Et il vient vers toi pour te donner un merci. Et puis te dire, ah, il exagère toujours. Béni. C'est un jugement. Non, c'est un jugement pour toi-même. Tu es ingrat. Oui, tu es dans la liste, en fait. Dans la liste de l'ingratitude. Quelqu'un qui se dérange de pouvoir quand même faire quelque chose pour toi, qui te donne ou qui l'a préparé, ou c'est ce qui fait qu'il va me donner même un cadeau, même si c'était petit. Et là, c'est tout ce qu'il a trouvé à pouvoir me donner. Tu ne dis pas en face, ah merci, hein. Puis tu dis, mais c'est tout ce qu'il a trouvé à me donner. Mais fais pas de mon temps. Ça, c'est l'ingratitude. Déjà, quand quelqu'un, un être humain, se dérange pour pouvoir venir chez toi ou te faire un cadeau, il a pensé à toi, petit soit-il, mais à le geste, tu dois remercier Dieu. Peut-être que cette personne n'avait que ça. Si toi, tu attendais peut-être une voiture, j'en sais absolument rien, mais peut-être il est venu avec un petit crayon. Il a pensé d'être avec les crayons, peut-être qu'il y a quand même les versets dans la Bible. C'est tout ce que j'ai comme moyen pour pouvoir lui acheter un frère, ma soeur. Ne soyez pas des ingrats. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit être reconnaissant au geste que la personne a posé à son endroit. Je me demande combien parmi nous sont reconnaissants au geste que chaque frère ou un frère ou une soeur peut faire à leur endroit. C'est pour ça que je disais autrefois, et ça, je dis que Dieu nous aide des anniversaires. Si ça commence à pouvoir quand même aller dans le mauvais sens, c'est important qu'on arrête. Parce que, ah oui, au jour d'anniversaire, chacun attend un cadeau. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Et les diables saisissent toujours des occasions comme ça. Parce que, vous n'oubliez pas, l'anniversaire arrive dans les miens arrivent dans 3 mois. Ça, c'est le même en Afrique. Hein. On t'envoie un message. Ah, oncle, oh, papy, oh, là. N'oublie pas, dans 3 mois, ce sera mon anniversaire. Là-bas, au fin fond, là-bas en Afrique, j'ai dit, mais ça, ce sont les choses qui se passent en Europe. Comment vous, là-bas, dans les villages, vous avez appris. Mais ce sont les télévisions. Hein. Où est-ce que vous, rappelons-nous, effectivement, en Afrique, est-ce qu'on mangeait des gâteaux d'anniversaire? Eh bien, happy birthday to you. Non!
C'est quand on est venu ici, Happy Birthday to me. Il y a même les célèbres qui sont même Happy Birthday to me. Aujourd'hui à moi, mon anniversaire à moi, mon joyeux anniversaire à moi-même. Qu'est-ce qu'on attend? Un cadeau. Bon, même si tu attends un cadeau, que la grand-maman t'achète un stylo et t'envoie. Il n'y avait que ça que tu peux m'envoyer. Mais tu attendais un cadeau. Donc ce que j'avais, je te donne, non? Alors, dans les anniversaires, qu'est-ce que vous attendez comme cadeau? La personne qui veut vous donner un cadeau, je donne un exemple, mais il vous donne ce qu'il ressent dans son cœur. Même si c'est un pain granique. C'est un pain granique. C'est-à-dire que la personne avec 3-0, ce jour-là, dit, ah, c'est l'anniversaire de qu'est-ce que je peux lui acheter? Bon, je trouve quand même le pain granique avec son café, ça va bien. Cher Camille, il remballe. Tu déballes. Oh, le pain granique, c'est pas un cadeau pour un anniversaire. Mais c'est tout ce qu'il avait. Oh, ça veut dire que dans ta pensée à toi, tu attends autre chose. Un téléphone S-284. C'est tout ça, vous savez, les people. Bref, c'est pour dire qu'effectivement que nous devons bien faire attention. Que nous ne suivions pas le monde. Et que entre nous, frères et sœurs, mon frère et ma sœur, tout ce que mon frère peut me donner, qui sent que, parce que aussi, c'est ça que je voudrais aussi que vous compreniez, quand vous commencez à pousser les anniversaires devant et que les gens se sentent obligés, ce n'est plus l'amour. C'est le monde. Puisqu'il m'a fait, bon, je vais quand même le faire. Si je ne l'ai pas fait, il va m'appeler. Tu m'as oublié. Tu n'as pas besoin de te demander qu'on t'a oublié. Même si c'est toujours ton anniversaire, si le frère a prié pour toi, c'est un cadeau. Mais oui, si la sœur a prié pour toi, c'est un cadeau. C'est un des meilleurs cadeaux d'ailleurs. Seigneur, protège, Seigneur, donne encore la vie, qu'il soit encore fort, qu'il vive longtemps. Seigneur, pourvoir pour la santé, pour sa famille et tout ça. Quelqu'un qui prie pour moi comme ça, mais c'est un cadeau. Je n'ai pas besoin qu'il emballe dans un papier aluminium, mais qu'il adresse au Seigneur. Pour moi, c'est un cadeau. Quand Dieu va me bénir, c'est mon cadeau. C'est ça les joyeux anniversaires. Bref. Ingrat, irréligieux. Écoutez bien. Insensible. Oh, le temps file vite. On n'est même pas arrivé plus loin. Enfin, bon. Insensible. Déloyaux. Calomniateur. Ça, c'est monnaie courante. La calomnie. Et on nous dit dans Corinthiens 13 qu'il ne calomnie point. Parce que la calomnie, ça aussi, c'est l'arme de Satan. Je ne vais pas passer tous les points en quelque chose court, puis ils vont terminer. Parce que, frère, c'est facile, hein, de toujours s'asseoir et nous dire, tu vois lui là, parler toujours de l'autre, c'est bon dans la bouche. C'est un plaisir de parler de l'autre, effectivement. Il a fait, tu vois ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, on avait, tu as vu, effectivement. Mais quand ça se tourne contre toi, parce que ce que tu fais à l'autre là, on va te le faire aussi. Tu as du plaisir pour que le faire pour l'autre. Maintenant, quand ça se tourne contre toi, alors vous savez ce qui va se passer. Ah, les frères, ils n'ont pas l'amour. Mais ils n'ont pas l'amour, mais toi tu faisais avec l'autre là. Alors si tu ne veux pas qu'on parle du mal de toi, toi aussi ne parle pas du mal de l'autre. Vous connaissez? Rien que ça. Ça règle les problèmes. Rien que ça. Vous connaissez, non? Tu n'auras pas de problème. On te dit, ah, il a fait. On reste frère. On n'ira pas dire, oh, Joséphine avait aussi dit. Non, Joséphine n'a rien dit. Tu es venu avec des problèmes. Oh, là, 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 Joséphine t'a dit, on reste frère.
Où vas-tu accuser Joséphine qui lui aussi l'a parlé? Frère, ma soeur, vous êtes épargné par la parole de Dieu. Parce que le diable est rusé. Quand il vient parler du mal de quelqu'un auprès de toi, il te pousse toi aussi à être coupable en parlant aussi. Ah, donc il a dit, la langue, par exemple. C'est-à-dire, c'est un plaisir. Hein? Oui, oui, papa. Tu es coupable, tu te mets dans les pièges. Mais là, quand ça va exploser? Parce que vous devez maintenant vous présenter, on va quand même vous interroger, puisqu'il dit, mais, oui, genre dans les qui sort dit, ah, on va citer. Mais Joséphine, toi que je pensais une sœur assez juste et bonne, on a détruit ton témoignage. Toi, une bonne sœur, comment peux-tu te mêler dans les choses comme ça? On avait confiance en toi, dit, mais si on avait un témoignage, c'est une sœur comme ça, le diable t'a piégé. Au lieu de pouvoir, c'est tout ce que tu devais faire. Alors, quand tu as ça avec toi, le diable ne sait pas comment t'avoir. Parce que personne ne peut t'impliquer dans ces affaires mauvaises aussi. Oui, parce que tu n'es pas dedans. Il est venu te dire, ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse, effectivement, mais sache que... Ça va l'arrêter tout de suite. Amen. Ah, mais oui. Mais quand tu aurais ce frère, tu l'as mis dans la poche, le gars, et puis, non, toi, ouvre. On reste frère. C'est fini, la personne s'en va. La calomnie est la chose que Satan fait. Alors, ça commence à se répandre. C'est comme ça qu'on détruit les églises. Oui. Parce que le frère va s'asseoir là, il va entendre, sa femme n'est même pas encore là à la maison. Et puis, tu sais, à l'église, on m'a dit, si j'ai entendu ça, ça, elle n'était pas là. Et puis, elle aussi, elle prend. Tout le monde, effectivement. Ça va jusqu'au dans d'autres églises, effectivement. Alors que pour le moment, que la chose qui a été dite de la personne n'est pas vraie. Mais on a détruit quoi? L'influence de la personne. C'est pour ça que la Bible nous dit que de votre bouche ne sorte aucune parole. Simplement une parole assaisonnée de sel. Qui donne la soif aux autres, effectivement, de venir aux Saintes Écritures. Que votre bouche ne soit pas l'instrument de Satan. Parce que c'est un esprit, en fait. Pour pouvoir agir, il faut qu'il ait une bouche. C'est pour ça, faire attention. Ne lui donne pas ta bouche. Ne lui donne pas l'occasion qu'il utilise ta propre bouche à toi. Sœur, mais regardez ici, c'est important. Donc, ne donne pas l'occasion à Satan d'utiliser ta propre bouche. Mais donne toujours gloire au Seigneur qu'il utilise ta bouche à toi pour sauver les autres et qu'il soit ramené à Christ, à notre Seigneur. Calominateur, intempérant, cruel, ennemi du genre de bien. Et c'est normal quand tu as cet esprit-là, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui se tient droit dans les choses de Dieu. Parce que les démons qui sont en toi, ils seront en colère de voir quelqu'un qui se tient juste. Nous continuons et dit, traître, je ne vais plus t'aller. Emporté en feu d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Donc c'est un homme tout à fait charnel. Il n'a vraiment rien à voir avec les choses de Dieu. Tous ces éléments qu'on trouve là-dedans, ça veut dire que si tout ça est concentré dans une personne, et qu'on le trouve dans une personne, comment pourrais-tu prendre plaisir dans les choses qui sont de Dieu? Parce que tout ce qui est en toi est opposé à Dieu. Chanter, tu peux chanter. Qu'est-ce qu'il y a pour faire? Mais ton intérieur. Le Seigneur l'a dit, non? Ésaïe 28. Il me loue seulement des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un précepte de tradition humaine. Parce que le diable a déjà conquis, effectivement, la place. Vous êtes fatigué? Non. Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Parce que moi, c'est bien des jours que je suis en train de marcher un peu, un tutubat, un tout petit peu. Si je me tiens ici, c'est par la grâce de Dieu. Si je peux résister, tenir comme ça. Et vous, depuis longtemps, vous dormez toujours bien. Vous êtes toujours en train de... Comment pouvez-vous fatiguer? Moi, je suis debout. Hein, c'est ça aussi. Vous me suivez bien. Amen. Je ne vous dérange pas. Non. Vous me supportez quand même. Amen. Je vais terminer. Mais c'est pour votre bien. Amen.
Parce que, souvenez-vous pourquoi nous avons aussi des combats. Et je remercie le Seigneur pour la victoire. Amen. Quand je regarde mes frères et sœurs ici, surtout là, mon cœur dans la joie. Parce que nous avons dit, les démons, les démons, cette année-ci, la sainteté, la sanctification, on vient à ta maison. C'est ce que nous avons dit que dans cette année-ci, et c'est à cela que le Seigneur nous conduit en fait. Quand on est des dieux, on s'accroche. Parce que nous n'avons rien. Et je répète encore, mon frère et ma soeur, vous ne devez rien avoir avec les démons. Parce que vous n'êtes pas la semence du malin. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Alors quand on nous parle de la sanctification, nous y accrochons. Nous voulons vraiment être sanctifiés. Nous voulons être purifiés. Parce que nous avons un but à atteindre. Satan s'était donné le droit de pouvoir s'asseoir et de pouvoir saisir nos frères et sœurs effectivement dans la prison. Maintenant, c'est terminé. On va prier jusqu'à ce que le dernier. On va rester frères et sœurs. Les genoux reprennent du service. Mon frère qui n'est pas bien, ma soeur qui n'est pas bien, on ne critique pas, mais on se met à genoux. Parce que les diables avaient avec les critiques, mais non, c'est fini tout ça. Nous avons maintenant. Merci. Maintenant, nous mettons à genoux, on combat en fait. Parce que si le frère est attaqué, c'est nous aussi. Si la sœur est attaquée, c'est nous aussi. Si il s'est laissé emporter par des démons, nous devons combattre. Pour que ce démon-là, ça n'aille de lui et qu'il voit clair, qu'il revienne. Parce qu'il est l'un de l'autre. Et elle est l'une de l'autre. Donc nous devons prier. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Nous le chantons. L'amour de Dieu, des loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en la pire, il nous attend. Alléluia! Oui, monsieur. Oui, madame. Même en l'abîme, mon frère. Il est descendu dans les régions inférieures à cause de son amour. Bien sûr, mon frère. C'est pourquoi nous aussi, nous luttons. Nous restons fermes. C'est pour ça que Dieu a fait de nous, que nous puissions grandir spirituellement, en fait d'aider aussi les faibles. Nous ne voulons pas laisser derrière nous ces un qui a enchaîné. Nous voulons nous mettre à genoux. C'est pour ça que Dieu nous donne ce qu'il nous donne. Pour que nous puissions arriver aussi à aider aussi les autres. C'est pour ça que j'ai toujours prié. Je demande au Seigneur que les murmures s'arrêtent parmi le peuple de Dieu. Les murmures attirent toujours les démons. Ne murmurez jamais. Soyez toujours confiants au Seigneur. Quand il y a une situation, faites connaître vos besoins par des jeûnes, par des prières et des supplications. Et puis il nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Car rien ne puisse arriver à voir vous briser. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et par des prières et des supplications. Nous terminons. Il dit, traître, emporté en flux d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant donc l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est ce que la Bible nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur et qui trouve son plaisir aussi. Donc toi et moi, nous sommes censés revenir toujours dans les saintes écritures. Qu'il n'y ait rien effectivement dans ce monde. Quand on voit les gens qui
conforme pas aux Saintes Écritures, quelle est l'intercession? Si leur nature est comme ça, n'en faites jamais vos camarades. Amen. Même dans votre travail, c'est pas seulement ici, mais dans votre travail. Oh, j'ai un collègue, on va prendre un petit verre. Mon frère aime ça. Et l'homme, il ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Parce que c'est aussi les milieux de travail aussi où il y a aussi des pièges. Collègues, des collègues, des collègues, des collègues. Et puis on finit par pouvoir être collègues. Et la Bible te dit, toi, en tant qu'enfant de Dieu, donc trouve cela comme ça, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. J'ai prié Dieu qui nous aide. Amen. Je vais terminer. Vous me suivez bien? Amen. Je vais terminer. Je prie Dieu qui nous aide. Les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Ça, c'est 100% vrai. Mais j'ai prié Dieu qui nous aide. Que nous qui avons l'Esprit de Dieu, quand bien même quelqu'un de mauvaise vie qui se tienne à côté de moi, qui ne m'influence pas, mais que moi je l'influence dans le bon sens. Alléluia! Oui, monsieur! Parce que nous avons le pouvoir. Pourquoi le mal doit toujours m'influencer? Moi, le bien, il est bien, donc avec le bien que j'ai la puissance de transformer quand même. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, ne viens pas me dire, ah, monsieur, au travail, on m'a dit, non, 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 au travail, je dois te montrer que non. Monsieur, madame, moi, je m'habille comme ça. Vous me voulez à ce poste ou pas? Si vous me voulez, vous m'acceptez comme ça. Vous ne voulez pas? Ben, je peux partir. Des hommes et des femmes au caractère. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que les Arabes doivent toujours arriver à pouvoir imposer avec, et vous, quand vous arrivez comme ça, ah, je vais perdre mon travail. Mais eux, ils disent, vous ne voulez pas mon foulard, je viendrai avec mon foulard. Et pourquoi vous êtes toujours comme ça, vous? Ah, on va perdre mon travail. Mais frère, si tu dois perdre le travail à cause du nom du Seigneur, perdez-le. Vous allez me prendre pour un fou, mais que Dieu soit béni. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord d'être un fou pour Jésus. Amen. Mais s'il faut le perdre pour la cause de l'évangile, perdez-le. Amen. À quoi te sert de pouvoir garder un travail dans lequel tu fais des compromis? Parce qu'à la fin, tu vas aussi dans la mauvaise direction. Je préfère que mon âme soit préservée. Amen. Si je perds du travail, mais qu'au moins que mon Jésus soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci. Merci vraiment pour ta bonté. Merci réellement pour ton amour. Je te glorifie encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée. De savoir que tu es vivant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aujourd'hui encore, nous pouvons réaliser combien nous devons nous détacher de ce monde, mon roi, ni même pas trouver des excuses à quoi que ce soit, parce que nous sommes un peuple mis à part. C'est une grâce de pouvoir t'avoir, toi, le Dieu vivant, avec nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ça m'a accordé la grâce de te connaître, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu, de te recevoir dans notre vie, de croire en ton Saint-Nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et de vivre pour toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Pour toi, nous avons accepté, Seigneur Dieu, le rejet de ce monde, mon roi. Nous savons que le monde aujourd'hui, il est en train d'atteindre son bas-fond. Oh, bien-aimé Père Saint-Dieu, il n'y a que toi, Père Saint-Dieu, qui peut encore agir encore aujourd'hui, Père Tibissant. Mais le monde t'a rejeté, Père Saint-Dieu. C'est pourquoi tu viens chercher ce peuple qui t'a accepté, Seigneur, qui accepte de voir vivre vraiment ta parole à toi, au Dieu de manière tellement patibissante que toi, tu veux trouver ton plaisir en elle, mon bien-aimé Père. Mon âme te loue et te glorifie encore davantage, mon Seigneur. Soutiens mon frère et soutiens ma soeur, mon roi. Oh Dieu, les diables se déchaîneront encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais puisses-tu encore agir encore davantage, mon Père, dans la vie de mon frère aussi, dans la vie aussi de ma soeur, mon roi. Nous accordons aussi la grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nos enfants puissent avoir encore la force
force, bénis-moi, Père Saint-Dieu. Mais continue à résister contre le mal, mon bénis-moi, Père Tubissant, parce que Satan reviendra avec la foi, bénis-moi, Père Tubissant, pour séduire encore davantage, mon roi. Ou l'affaiblir, bénis-moi, la position, mon bénis-moi, Père Saint-Dieu. Mais j'implore ta grâce, mon bénis-moi, Père Saint-Dieu. Qu'elle réalise combien tu es tellement si important. Et que la place de la place, mon bénis-moi, Père Saint-Dieu, c'est une place royale, mon bénis-moi, Père Saint-Dieu. Que tes filles soient bénies. Que tes filles soient aussi bénies, mon roi. Que ton peuple soit protégé, bénis-moi, Père Saint-Dieu. Qu'il soit fait, mon bénis-moi, Père Tubissant. Qu'il ne puisse pas céder, bénis-moi, Père Tubissant, Dieu. Mais qu'il soit accroché à ta parole, à toi, mon sauveur. Sois donc béni, mon bénis-moi, Père Saint-Dieu. Sois donc glorifié encore aujourd'hui. Je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi. Pour ta bonté, mon bénis-moi, Père Saint-Dieu. Merci. Merci pour ton amour à notre endroit, Père. Garde ton peuple, soutiens, Seigneur, et partout où ton peuple se trouve, mon roi, que tu le fortifies, que tu le soutiennes, qu'ils ont pris la décision de quitter le monde, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, de n'a rien à voir avec le monde, avec ce qu'il a, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Garde nos enfants dans les écoles, mon bénémoine, Père Tubissant. Voici le programme qu'on est en train de pouvoir faire, Père Tubissant, Dieu. Que nos enfants soient protégés, leur cœur, leur esprit, leur pensée, leur subconscient, leur mémoire, protégés par toi, notre Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Je t'en supplie, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu vois combien les diables, les démons sont déchaînés, Seigneur. Ils veulent détruire, Père Tubissant, Dieu, la génération, bénémoine, Père Saint-Dieu. Mais à cause de ton Seigneur, mon roi, nous prions, bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est pour ça que tu nous as placés dans cet âge où nous vivons, bénémoine, Père Saint-Dieu. Afin que nous puissions, bénémoine, Père Saint-Dieu, prier aussi, bénémoine, agir devant la planète, Saint-Dieu. Afin que nos enfants, ton peuple, bénémoine, soient protégés, bénémoine, Père Tubissant. Je disais alors très peu nombreux, bénémoine, Père Saint-Dieu. Le monde va l'altérer, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Mais accorde-nous encore la grâce. Soutiens-nous, Père, oh Dieu. Aide-nous encore, mon bénémoine, Père Saint. Merci pour ta bonté. Merci aussi pour ton amour et ta grâce et tes compassions. Aujourd'hui encore, nous te disons merci d'avoir permis que nous soyons ici, Père Saint-Dieu. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont en connexion dans différents endroits. Souviens-toi de mon précieux frère John. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, protège tous ceux qui sont là-bas, qui sont restés bénis, Père Saint-Dieu. Que ta main puissante soit posée pour les aider aussi, Père. Je te remercie, je te rends gloire et honneur quand je t'ai ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour tes bontés dans ma vie, oh, c'est étonnant, reçois ma louange. Qui guérit les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur.